Alors, pour passer le badge, tout simplement, hein, on met le badge dessus, on regarde bien, là je vais faire du GNL, hop, GNL, je suis bien à la pompe numéro 2, j'appuie sur le 2, après il me demande le code, je prends le code qui est indiqué, hein. Le kilométrage, et voilà, et maintenant je peux aller me servir, tout simplement, pas plus compliqué que ça. En premier, la mise à la masse. Alors voilà, une fois que je suis branché, tout simplement, j'appuie sur le bouton Start, 2 ou 3 secondes, et j'attends. Hop, et je la laisse faire. Elle va faire elle-même, et elle va se mettre au travail. Donc elle va d'abord dépressuriser, et après refroidir le circuit. Je la laisse faire, tout simplement. Voilà, il s'est mis en mode cooling. Donc en fait, il est en train de refroidir le circuit. On patiente encore. Alors ça y est, vous dites d'appuyer ce bouton, à partir de là vous appuyez ce bouton, la machine va se lancer et vous voyez le sablier qui tourne, il est rempli, vous le laissez faire. Et le sablier, il défile. Ça marque, hein, remplissage, c'est bien marqué. Pour remettre le sablier à zéro, je lâche le bouton et je réappuie dessus. Une seconde de la relâchage, regardez le sablier, c'est re-rempli. Et comme ça, à chaque fois, à peu près tous les 35-40 secondes. Voilà. Alors, une fois à bord, hein, quand vous voyez que votre jauge s'est remplie, là le petit bouton il nous marque bien qu'on est en GNC. Je vais tout simplement appuyer dessus. Hop, le petit bouton orange s'éteint. Je viens de passer en GNL. Tout simplement. Donc position non allumée GNL, position allumée GNC. Voilà, vous êtes parti, pareil pour partir. Bonne route à vous, bonne journée.